Et salut les petits Smorbif, on se retrouve avec Kiddy Pouik, ici présent, et donc on est sur Final Fantasy Brave Exvius. Je tenais d'abord à m'excuser qu'aucune vidéo ne soit sortie donc le lundi, donc aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. J'ai eu des gros problèmes de montage, et donc ça a pris du retard. Et vu qu'il y a eu des infos sur Brave Exvius, je pouvais pas passer outre. Et donc, il fallait que je vous en parle pour ceux qui n'auraient pas remarqué et pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris. Donc, bah, on va être moi et vous allez être très très contents. Surtout certains qui avaient du mal à choper des 5 étoiles natives dans leur cristaux arc-en-ciel parce qu'ils en chopaient plein, mais ils avaient plein de cancers et tout ça. Alors ça râlait, ça voulait brûler Satan. Enfin, je sais pas. Celui-là se reconnaîtra. En tout cas. Là, il y a une grande nouvelle, c'est la mise à jour 2.0, donc c'est FFVE 2.0, et donc beaucoup de nouveautés. Et la majeure, la plus grosse nouveauté, c'est les invocations natifs. C'est-à-dire que dans les cristaux bleus, vous n'aurez que des 3 étals natifs. Dès que vous allez choper un cristal doré, vous êtes sûr qu'il y a un natif 4 étoiles. Un natif 3 étoiles en forme 5 et en forme 4 étoiles ne peut plus apparaître dans un cristal doré. Et c'est pareil pour le cristal arc-en-ciel, c'est-à-dire que dans un cristal arc-en-ciel, dès le moment où vous chopez un cristal arc-en-ciel, ça ne peut être que un 5 étoiles natif. Aucun 3 étoiles ou 4 étoiles qui a une forme 5 étoiles ne pourra réapparaître dans ces cristaux arc-en-ciel. Comme ce qu'on avait à chaque fois, car on n'avait pas de chance, à part ceux qui avaient de la chance et qui chopaient tous les 5 étoiles natifs du premier coup, comme ça. Voilà, donc là, c'est énorme. Parce que du coup, dès le moment où vous avez chopé un 5 étoiles natif, vous êtes sûr, vous avez un cristal arc-en-ciel, vous êtes sûr d'avoir un 5 étoiles natif. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que la plupart des 5 étoiles natifs, or, petit trollolol des 5 étoiles natifs qui donnent rien de bien. J'en ai pas beaucoup, j'en ai pas qui me reviennent à l'esprit là maintenant. Mais soit ils sont top DPS, soit ils ont une très bonne TM. Et donc, bah, dès que vous allez tomber sur un 5 étoiles natif, vous aurez beaucoup de chances de tomber sur quelque chose de pas mal. Voilà, c'est juste. Comme ça, c'est voilà, vous allez pouvoir, ça se trouve dans un mois, vous tirez un arc-en-ciel et vous chopez Noctis. On sait pas, hein, c'est ça peut arriver comme ça. Voilà, ça arrive, et en tout cas, vous aurez plus de chances de choper un Noctis dans un 5 étoiles natif dans le cristal arc-en-ciel, du coup. Car, comme vous savez, à chaque fois, quand il y a par exemple un seul 5 étoiles natif, vous chopez un cristal arc-en-ciel, vous aviez 50% de chance de tomber sur le perso de la bannière ou 50% de chance de tomber sur les persos hors bannière. Et là, le problème, c'est que jusqu'à maintenant, vous aviez autant de chance, donc dans les 50% où vous ne tombez pas dans la bannière, vous aviez plein de chances de tomber sur un troll, sur un perso qui est en forme 5 étoiles et qui est natif 3 étoiles et qui est tout pourri. Ou alors que vous avez déjà, ou alors que c'est bien, mais voilà, vous aurez pu l'avoir en 3 étoiles plus facilement. Voilà, bon, bref. Et donc là, ce n'est plus le cas. Ça veut dire que même si vous n'avez pas dans le côté de la bannière, vous avez toujours une chance de tomber sur un Noctis, une Lightning, un Lunes, enfin voilà, quelque chose de pas mal, même un Gilgamesh aussi, quelque chose de vraiment pas mal. Et donc là, ça motive à faire des invocations, car clairement, dès qu'il y a les couleurs qui tombent, vous êtes fixé sur le niveau du personnage que vous allez avoir, enfin sur le natif que vous allez avoir. Donc ça, c'est ce qu'ils expliquent, touk touk touk. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi l'ajout de nouvelles récompenses de trophées. Donc, hein, si vous vous souvenez, pour avoir l'anneau du héros, je crois, qui fait 10% d'attaque et de magie, il fallait faire les trophées qui se situent, je vous montre tout de suite, dans les menus ici, trophées. Donc, il y avait des objectifs. À chaque fois, il y a trois paliers dessus. Par exemple, je prends celui-là. Par exemple, là, décerné pour les compétences créées, donc celles que vous fabriquiez en artisanat. Et donc là, les 10 premières, ça fait une récompense, un palier. Après, c'est 100, après, c'est 1000. Et donc, à chaque fois, ça faisait avancer. Dès que vous en faisiez un palier de chacun de tout ce qu'il y a là, et ben, ça faisait avancer le petit mug qui avançait comme ça, comme ça, comme ça. Et ici, il débloquait le coffre où vous obtenez la récompense. Et bah, du coup,
là, va en avoir des nouvelles. Alors, est-ce que ça va prendre en compte? Normalement, ça devrait en prendre en compte celles qu'on a fait entre temps, parce que sinon, c'est complètement de l'arnaque. Parce que pour ceux qui les ont complétées après avoir eu l'anneau, bah clairement ils ont loupé le truc quoi. Mais je pense qu'ils vont faire ça bien et que du coup même si vous y aviez, vous avez depuis que vous avez récupéré le dernier coffre et à aujourd'hui, vous avez fait des nouveaux trophées, normalement ça va les récupérer automatiquement. Normalement, il faut vraiment qu'ils fassent les choses bien quoi. Alors ils en rajoutent plusieurs. On en rajoute plein d'autres. Voilà, en tout cas, il y aura pas mal de... il y aura l'anneau du monarque, l'anneau du dominant, l'anneau du chef, l'anneau du dominé. Voilà. Monarque, dominant, dominé et chef. Ok. Alors, celui qui a l'anneau du dominé, il essaie de masser. Bref. Mise à jour de l'interface. Donc là, on a une mise à jour de l'interface. Donc, l'artisanat, là où il y avait l'artisanat, bah, en fait, ça se casse dans le menu où vous pouvez switcher. Et c'est le vortex qui prend la place. Donc clairement, voilà. Et là, vous aurez juste à faire ça. Il faudra aller là pour pouvoir sélectionner les aptitudes. Ce sera en onglet. Et puis les uns en dessous des autres. Et voilà, après vous cliquez sur le truc. Et vous lancez la forge. Ou les habilités ou les objets. Voilà. Et le section, le sectionneur de cartes, là si vous vous rappelez, on peut choisir Grand Shelt, Landzelt, je sais plus quoi et je sais plus quoi. Alors là, merde, c'est pas, non, c'est, je confonds avec un perso. Bref, vous pouvez, en fait, il y aura, et au lieu de voir les uns en dessous des autres, c'est des petits bandeaux qui passaient comme ça, de pouvoir les sélectionner un par un. Là, en fait, vous voyez qu'il y a une carte directement où vous pouvez cliquer dessus si j'ai bien compris le délire, c'est ça hein, ouais j'ai ça, bah oui bien sûr c'est ça. Voilà, donc hop. Et aussi un truc qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir savoir où choper les compos. Là à chaque fois, bon moi en tout cas je le faisais et la plupart le faisaient aussi, c'est que dès que tu avais besoin de compo, tu allais sur le wiki, tu regardais où tu pouvais la choper. Maintenant en fait on voit, vous allez pouvoir sur l'objet que vous voulez crafter, là comme vous voyez sur l'image, là par exemple il veut crafter une dague de sommeil, et là il voit qu'il a plus que 0 cristal d'eau, alors il y a une petite loupe, il clique dessus. Et là, il regarde le lieu. Voilà, il a la description, il regarde le lieu où il peut l'avoir. Et après, ça lui indique les endroits où il peut le faire. Et voilà, regarde, ça les met, ça les regroupe. Alors, si j'ai bien compris, ça les regroupe. Là, par une grotte marine, temple du vent, machin truc. Alors, pour un cristal d'eau, c'est facile, tu demandes à tes amis, mais voilà, si t'as pas d'amis, prends la curie, bah, t'as pas de cristal d'eau. Voilà. C'est niqué. Et après, des petits ajouts divers, ajout d'une fonction de recherche de matériaux pour vos unités. Donc là, c'est pareil, mais avec les matériaux d'éveil. Donc là, bah, clairement, ça va te dire pour les matériaux 6 étoiles, attends le prochain event. Car bah, il n'y a que en event qu'on peut les avoir. Soit en event de farm, soit dans les coffres, soit en récompense. Après, ajoute un décompte des tickets d'invocation. Là, normalement, on aura en haut, on aura un petit carré où il y aura le nombre de tickets qu'on a. On ne sera plus obligé d'appuyer sur invocation avec des tickets, et là, voir en petit combien on a. Donc, c'est pas mal. Il y a aussi un raccourci qui va être pour aller directement au roi mode. Donc là, c'est nice. Dans les events de farm, vous avez les objets, vous cliquez sur le bouton pour aller sur le droit mode et pion, vous y allez et vous achetez ce que vous voulez. Donc tranquille. Bon, après, le nombre d'unités maximum passe de 500 à 1000. Alors ça c'est quand vous achetez des emplacements. De toute façon, si vous jouez correctement, vous récupérez les persos, tout ça, à moins de les jeter dès que vous avez la TM et que voilà. Même ça c'est pas très très opti à faire quand même, bah vous avez augmenté un petit peu vos slots hein. Moi je suis à 155 je crois unités, et donc pour ceux qui ont payé pour avoir 500 places, là ils pourront avoir maximum 1000. Voilà, donc c'est juste le maximum
de slots atteignables en dépensant des lapis pour augmenter les slots des unités. Donc pourquoi pas pour ceux qui sont full. Clairement, moi ça va pas me servir dans l'immédiat, il va falloir attendre 10 ans avant que j'atteigne les 500. Voilà, honnêtement. Tac, donc il y a ça. Après, pour nous féliciter d'avoir atteint les 20 millions de téléchargements, c'est énorme, hein, c'est énorme quand même, 20 millions de téléchargements, il nous offre, alors après il va falloir voir sur quelle bannière il nous l'offre, mais il nous offre un pool à 11, donc un pool 10 plus 1, comme on fait à chaque fois avec les 5000 lapis, et ben là il nous l'offre. Donc ça veut dire qu'on a, avec la 2.0, ça veut dire qu'on a minimum un 4 étoiles natif. Donc ça c'est pas dégueu non plus, c'est pas dégueu non plus, il y a de très bons 4 étoiles natifs qui demandent qu'à être récupérés, et qui peuvent être forts, hein. Par exemple Shizuru, c'est une 4 étoiles natif, elle a une TM vraiment pas mal, et en DPS, si vous n'avez pas des top DPS, elle peut être très bien, c'est celle que j'ai à côté de ma Lightning, et honnêtement, pour faire des combos et puis pour DPS, elle fait clairement le taf. Donc ça, c'est cette invocation là, va falloir la faire entre la maintenance de jeudi 23, donc le jeudi qui arrive suite à cette vidéo, et le vendredi 10 mars à 9h pour nous. Après c'est jeudi 9 pour en horaire PST. Tac, donc pour le faire, tout simplement, il faudra aller, il y aura un onglet exprès pour ça, il faudra appuyer dessus, et là vous pourrez lancer votre pool. Et bien sûr, je pense pas que ce soit sur une bannière précise, mais bon, c'est toujours un pool offert, et vous pouvez très bien tomber sur un arc-en-ciel, et là, choper, par exemple, un Noctis. Bah oui, parce que vous êtes obligé de choper un 5 étoiles natif. Donc, c'est cadeau. Donc clairement c'est impec. Voilà, c'est vraiment sympa de leur part cette petite ce gros cadeau, je dirais, parce que c'est quand même un cadeau à 5000 lapis. Je sais pas si vous imaginez. Bon, c'est pas sur la bannière que vous voulez, mais vous allez pas vous plaindre, vous avez un truc gratuit, tu te rends compte qu'il débute un truc gratuit. Ouais. 5000 lapis gratuit, c'est énorme. Et encore mieux aussi, enfin encore mieux pour compléter le beau cadeau, on a une extension de l'histoire. Donc on va pouvoir avancer un petit peu plus. En plus, il parle là de l'éveil de Laswell. Ah oui. Non, mais ça n'a rien à voir. C'était juste par rapport à l'histoire, pour ceux qui ont regardé. Mais par contre, on pourra aller débloquer Odin. Donc je l'avais annoncé sur la fin janvier, mais je me doutais pas qu'ils allaient nous rajouter Ariana Grande, la Saint-Valentin et Xiao et les Kung Fu Panda. Voilà, je m'y attendais pas, et ça a pris 3 semaines de retard, ce qui nous arrive, ce qui nous amène à aujourd'hui. Donc s'il n'y avait pas eu les events, il y aurait eu ça, voilà, il y aurait eu Odin, et ma prédiction aurait été exacte. Mais non, on a pris 3 semaines de retard, tant pis, qu'est-ce que vous voulez. En tout cas, Odin, il va remplacer Ifrit en DPS, en tout cas c'est ce que j'ai pour comme info, hein. Je joue pas la version Jap et tout ça, donc voilà, j'ai pas énormément d'infos, mais en tout cas normalement c'est clairement celui qui va monter le DPS physique des unités. Dites-le en commentaire si je me trompe, hein. Vraiment n'hésitez pas, je trouve que je suis une vraie quiche Lorraine. Je n'ai rien contre la Lorraine, mais ça se trouve je fais complètement fausse route et voilà. Bref, donc bah on aura Odin, on aura encore du lapis en plus vu que on a les récompenses en fin de zone avec les 100 lapis et toutes les missions à faire. De nouveaux objets dans les explorations. D'ailleurs j'ai pas fait toutes les explorations, je suis vraiment trop nul. Hein, un petit coup de cul de Kiddy Pouic, hein, ça remet les idées en place. Donc voilà clairement de bonnes nouvelles pour cette fin de semaine, vendredi. Manque plus qu'à savoir les invocations que vous voyez avoir, parce que alors là c'était celui de la semaine dernière, mais normalement c'est pas celui-là, non, le choix des joueurs, normalement on devrait avoir cette bannière là, là où les joueurs doivent voter et tout ça, donc je m'en rappelle plus, c'est sur la page Facebook officielle, elle est juste là.
Donc il suffit, si vous êtes sur téléphone, vous cliquez dessus. Voilà. Vous arrivez là. Et ça se trouve, c'est déjà fini. C'est déjà fini ou pas? Petit écoute putung. Ça a l'air d'être déjà fini en fait. Est-ce que c'est le cas? Bah ça a l'air. Ça a l'air. Donc bah, si les votes sont clos, c'est que on aura sûrement cette belle petite bannière d'amour. Et bah, après les personnages que j'aurais pas besoin de présenter. Oui, bah oui. Ou alors faire un petit rappel, je verrai par rapport à la bannière ceux qui ont été sélectionnés. Voilà. Donc clairement, si on arrive à faire une invocation sur cette bannière là, celle qui est offerte sur cette bannière, il y a des chances d'avoir un petit Noctis, hein, on sait jamais, parce que à mon avis il va être voté, hein, il va être premier dans les votes de ceux qui veulent récupérer un Noctis vu qu'ils n'ont pas eu. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu qui est censé être yep, par là-bas, en dessous là, et mon doigt, voilà, je mets correctement, censé en être en dessous là, la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner, hein, tout simplement, vous abonner, et lâcher un petit commentaire si j'ai oublié des choses, si vous êtes trop content, enfin, voilà, partagez votre joie pour ce beau cadeau que Gumi, enfin pas Gumi, mais Square Enix nous offre. Parce que c'est plutôt Square Enix qui est aux commandes. Voilà, en tout cas, je vous dis ciao ciao et à la prochaine, mes petits smobifs. Bye bye. Putain, je suis en forme aujourd'hui. En plus, il est 22h, 23h20, je viens de puter.